Alberto Contador. Andy Schleck, Lance Armstrong. C'était un podium, c'était en 2009. Et le vainqueur de 6 sprints, c'était lui, Mark Cavendish. Rotterdam. Un peu moins de 9 km pour un prologue tracé dans le premier port européen. Armstrong, Contador, à l'échauffement et au départ de ce prologue, Tony Martin, le jeune coureur allemand de l'équipe Columbia. Top. Tony Martin a été bien inspiré. Il est parti parmi les premiers au moment où les conditions météo ne s'étaient pas dégradées. Tony Martin terminera deuxième de ce prologue. Frank Schleck. Cavendish termine en roue libre. David Millar se bat. Sous le regard de Tony Martin. Mais David Millar sera seulement troisième. Voici au départ le phénomène, Fabian Cancellara. 29 ans, champion du monde du contre-la-montre depuis 2006, champion olympique à Pékin en 2008. Il est, dans l'exercice solitaire, le maître incontesté. Tony Martin et sa fiancée le regardent. Contre Fabian Cancellara, il n'y a rien à faire. Alberto Contador, Lance Armstrong, eux veulent, dès le premier jour, marquer les esprits. Lance Armstrong réussit un bon prologue, quatrième à 22 secondes. Contador est un peu plus loin, à 27 secondes. Le premier maillot jaune de ce Tour 2010, ce n'est pas une surprise, Fabian Cancellara. Meilleur jeune, Tony Martin. Paris est à 3641 km. Le classement de ce prologue, Cancellara, Martin, Millar. Rotterdam, Bruxelles, 223,5 km. Le plat pays, aurait chanté Jacques Brel. Les plages du Nord sont désertes. Le port de Rotterdam futuriste. Et voici le départ officiel de ce Tour 2010. Au revoir à Rotterdam et bienvenue sur ce Tour à quelques-uns de ses favoris. Le départ réel de la première étape est d'entrée. Des accélérations en tête de ce peloton. On sait que dans ce Tour 2010, il n'y aura pas de bonification, ni dans les sprints intermédiaires, ni aux arrivées, mais il y aura beaucoup de chutes. Les chutes vont marquer les premières étapes de ce Tour de France et avoir une incidence très importante sur la suite de la course. Attention, danger, ne jamais venir avec un chien non tenu en laisse. Et les chutes, dans celle-ci, il y avait notamment le maillot vert. Sprint intermédiaire, gagné sans bonification par Thomas Redefinger. Et ses dessins au fil des champs, au fil du temps. Ce jour-là,
entre Rotterdam et Bruxelles, on a presque battu les records. 2 500 000 spectateurs ont estimé les polices hollandaises et belges. Une foule considérable pour accueillir ce Tour de France dans des pays, la Hollande et la Belgique, où le cyclisme est roi. Il y avait en plus, à cette époque, beaucoup d'euphorie en Hollande. L'équipe nationale de football venait de battre le Brésil. La Hollande s'apprêtait à disputer la finale de la Coupe du Monde. Le pays était en liesse. Les chutes, elles continuent. Virage accentué à droite. Mark Cavendish était parmi les victimes de cette chute. Il est désabusé, mais toujours souriant. Et au sprint, eh bien, au sprint, incroyable. À quelques dizaines de mètres de la ligne, regardez un changement de trajectoire au cœur du peloton avec le français Lloyd Mondori. Et finalement, c'est le vétéran italien, Alejandro Petacchi, qui remporte cette première étape au sprint à Bruxelles. Sous les yeux d'Albert II et d'Eddy Merckx, qui fêtait ses 65 ans et qui félicitait Cancellara, Petacchi maillot vert, et voici le roi Eddy, le plus grand coureur de l'histoire, avec ce dossard fétiche 51. Petacchi, Renshaw, Uchoff, McEwen, et au classement général, pas de changement. Bruxelles, Spa, tout près du circuit automobile de Francorchamps. On savait que cette étape était un piège. Cela allait se vérifier avec l'enchaînement de difficultés qui figurent habituellement sur le parcours de Liège-Bastogne-Liège. Souvenir de l'exposition universelle, de l'histoire de la Belgique et départ de cette étape, la deuxième. 201 km sous un temps maussade. Sylvain Chavanel, l'équipe Cervélo, cette étape traverse la région de Bruxelles, la province du Brabant, la province de Namur, la province de Liège, pour se terminer dans une ville d'eau, à Spa. Jérôme Pinault, le français de l'équipe Quick-Step, commence à engranger les points dans la perspective du classement du meilleur grimpeur. Fabian Cancellara, le maillot jaune est dubitatif, il a raison de l'être, car cette étape va être un cauchemar pour de nombreux coureurs. Il y aura au total 21 chutes et 71 coureurs qui se retrouveront au sol. Presque un record dans l'histoire du Tour. La chaussée est glissante avec ce que l'on appelle un verglas d'été. Avec cette humidité, plus les feuilles, Andy Schleck fait partie des victimes des chutes. Il souffre du bras gauche. Fabian Cancellara, le maillot jaune, impose à ce moment-là une sorte de loi d'attente en tête du peloton. Il demande à ce que l'on attende tous ces coureurs qui sont tombés. Par contre, pour l'échappé solitaire, Sylvain Chavanel, les difficultés s'enchaînent. Côte de France, côte de Filot, côte de Verbeaumont, côte des Aumonts, côte de Stoqueux, col du Rosier. On les connaît bien, toutes ces ascensions. Au mois d'avril, elles figurent au programme de Liège-Bastogne-Liège et livrent généralement de grands vainqueurs. Le vainqueur de l'étape, à Spa, est un grand vainqueur, Sylvain Chavanel. Derrière, vous l'avez vu, cette poignée de main entre Jean-François Pécheux, le directeur de la course, et Fabian Cancellara. Il n'y aura donc pas de sprint pour la deuxième place. Le peloton qui s'est regroupé arrive en occupant toute la chaussée à Spa. Les gestes de Fabian Cancellara sont éloquents.
il n'y aura pas de coureur classé à la deuxième place. Sylvain Chavanel, vainqueur d'étape, nouveau maillot jaune du Tour, souriant, heureux. Il porte également le maillot vert, lui qui, le 27 avril, avait été victime d'une terrible chute à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Le maillot blanc point rouge sur les épaules de Jérôme Pinault. Au classement de l'étape, en fait, seul Chavanel sera comptabilisé pour ce classement. Voici l'étape qui fait peur. Elle démarre à Vanves, en Belgique, et se termine à Arambert, porte du Hainaut. Avec, bien sûr, dans les 20 derniers kilomètres, 7 secteurs pavés. Cette étape part sur un rythme extrêmement soutenu. On sent dans le peloton beaucoup de tension. Tous les favoris, tous les spécialistes des courses par étapes craignent ces secteurs pavés qui peuvent, c'est vrai, à cause d'une chute, ruiner toutes leurs ambitions. L'équipe Quick-Step, équipe originaire de Belgique, est l'une des spécialistes de ce terrain. Franck Schleck, lui, a le coude bandé. Et les chutes. Les chutes qui vont se multiplier durant cette journée. Des chutes qui pèseront lourd sur l'organisme des coureurs dans les 2 semaines et demie de course qui leur restent. Voici le premier secteur pavé, Orménie. Il est court, 350 mètres de long, et ne présente a priori pas de difficultés particulières. Le peloton passe ce secteur à pratiquement 50 à l'heure. Leuzen-Hainaut, le nord, ses maisons rouges, son histoire. Et en tête du peloton, l'équipe Saxo Bank. Elle imprime un rythme extrêmement soutenu à la course. L'objectif, emmener dans les meilleures conditions Andy Schleck vers Arambert. L'équipe Cervélo a aussi beaucoup d'ambition, car son leader, Torushov, est un ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Bradley Wiggins, le Britannique, quatrième du Tour l'an dernier, trouve un terrain qui lui convient, ce qui paraît surprenant. Et puis, cette chute extrêmement spectaculaire et douloureuse de Franck Schleck, l'aîné des Schleck, avec son maillot tricolore de champion du Luxembourg. Il se relèvera avec 3 fractures de la clavicule. Ryder Heyerdahl, le Canadien, 29 ans, l'une des révélations de ce Tour de France, tente de partir en solitaire. Derrière, Lance Armstrong se bat. Il est ici accompagné de son équipier, Jaroslav Popovic. Armstrong, victime de 2 chutes et d'une crevaison. Contador Alberto n'est pas un homme des pavés. Malgré une crevaison en fin d'étape, il réussira à limiter les dégâts. Limiter les dégâts, Sylvain Chavanel ne parviendra pas à le faire. Il perdra son maillot jaune. Lance Armstrong, lui, va se battre pour concéder le moins de temps possible. Nous sommes dans Arambert, 1 kilomètre de l'arrivée. Le groupe de tête, dans lequel figurent Cadel Evans, Torushov, Fabien Cancellara, Andy Schleck, se présente pour la victoire. Et dans ce groupe, le plus rapide et de loin, c'est Torushov. Il avait gagné Paris-Roubaix. Il remporte cette année l'étape des pavés du Tour de France. Beau vainqueur. Contador perd des secondes. Et Sylvain Chavanel, son maillot jaune. Les puits d'Arambert, c'est là que Claude Berry a tourné Germinal. Fabien Cancellara en jaune. L'étape, Torushov devant le prometteur Garen Thomas. Au classement général,
Frank Schellara de nouveau maillot jaune avec 23 secondes d'avance sur Thomas. Le Tour de France quitte le Nord. Départ de Cambrai, arrivé au cœur de la Champagne, à Reims. 153 km, une étape courte dite de transition. Comme le veut la tradition, les maillots distinctifs au premier rang du peloton, et puis ce tour en fête permanente. Pour chaque village traversé, c'est une sorte de deuxième 14 juillet. Le tour à travers le Nord, l'Aisne, les Ardennes et la Marne. Alexandre Vinokourov détendu, tout comme Fabian Cancellara. L'équipe Astana regroupée autour d'Alberto Contador. Il faut toujours être vigilant, surtout dans ce type d'étape. Le principal danger, le vent qui provoque les bordures, les cassures. Aujourd'hui, du vent, il n'y en a pas beaucoup. Il fait beau. Voici la cathédrale de Laon. Majestueuse, avec cette ville tout en hauteur. À l'avant de la course, une échappée se dessine. Elle est reprise dans les faubourgs de Reims. Le sprint paraît inévitable. Mark Cavendish, le Britannique, va-t-il enfin gagner? Eh bien non. C'est encore une fois Alessandro Pitacchi, l'Italien de 36 ans, qui se montre le plus véloce. Au centre de la route, Cavendish coupe son effort. Il est seulement 12e et terriblement déçu. Pitacchi, vainqueur d'étape sur les Tours de France, d'Espagne et d'Italie. La cathédrale de Reims, majestueuse, salue le tour. Les rois y étaient sacrés. Cancellara toujours leader. De Reims à Épernay, il y a peu, une trentaine de kilomètres. Nous sommes toujours au cœur de la Champagne, au cœur des vignes, pour une nouvelle étape de transition. Provins, la ville d'Alain Perfit. Et les échappées traditionnelles dans ces étapes dites de transition. Avec, par exemple, Julien Elfares, le jeune coureur de la Cofidis, originaire de Sisteron. Toruchov, en pleine conversation avec ses équipiers. Jérôme Pinault. Et l'équipe Saxo-Bank de Bjarne-Riis, qui emmène ce peloton et protège son maillot jaune, Fabian Cancellara. Épernay, Montargis, par la Marne, la Seine-et-Marne et le Loiret. Maillot arc-en-ciel de Cadel Evans. Il fait chaud, très chaud, 35 degrés à l'ombre. Ces pochettes de glace appliquées par les coureurs pour se rafraîchir. C'est le temps de la canicule. Les sprints intermédiaires, comme celui-ci, gagné par Elfares devant Vandeval et le champion d'Espagne, José Iván Gutiérrez. Vous remarquerez tous ces bidons portés par les coureurs. Thank you.
Chaque coureur utilise au moins une quinzaine de bidons par jour. Et puis, dans le final, Gutiérrez, qui sent que le peloton va revenir sur l'échappée, s'en va seul. Il porte fièrement son maillot de champion d'Espagne. Derrière, ses deux compagnons, Van de Val et El Fares, se sont relevés. Mais Gutiérrez est rejoint. C'est le sprint inévitable. Cavendish va-t-il enfin gagner, enfin redevenir le meilleur? Eh bien oui, à Montargis. Good guy, Marc Cavendish. Good guy, émouvant. Regardez ses larmes. On peut être grand, champion, le meilleur du monde dans sa spécialité et ressentir des émotions. En général, ne change pas. Montargis, Guignon. Montargis dans le Loiret. Quelques gouttes de bon matin. Et la traditionnelle échappée qui se dessine. Il ne reste plus que 2548 km. Ouf ! Vivement demain. L'échappée ? Château de Châtillon en Bazois. L'histoire, l'actualité. Pierrick Fédrigo, Toruchov. Alberto Contador, souriant détendu. Marc Cavendish soulagé, il a gagné la veille. Il parle avec Christophe Lemével. Des côtes de quatrième catégorie pour agrémenter ce parcours. Mais en tête du peloton, les coureurs de la Columbia, Aetisi Vey. Mathieu Perger, le français, faisait partie des échappés. Tout près de l'arrivée, un contre de Christophe Riblon. Et Anthony Chartaud, que l'on commence à voir apparaître au premier plan. Il a des idées, de l'ambition. Nous sommes à 10 km de l'arrivée. Le temps des échappés est terminé. Place maintenant dans les rues de Guignon, la ville des forges, à la grande explication. La veille, Cavendish avait été impérial. Regardez-le. Emmené par Marc Renshaw, il se balade. Il ne pleure plus, il sourit. Heureux. 25 ans, c'est sa 13e victoire d'étape depuis qu'il participe au Tour de France. Tyler Farrar, l'Américain, est deuxième. Classement général, pas de changement. Cancellara est toujours en jaune. Et le Tour va changer de visage. Il va quitter la Plaine et Tournus pour les premières ascensions, avec une arrivée dans le Jura, au Rousse. C'est une étape qui n'est pas facile, avec un enchaînement de difficultés, recensées en troisième, en quatrième et en deuxième catégorie. Un superbe parcours, c'est l'étape du comté, célèbre fromage. C'est aussi l'étape qui nous emmène dans la ville de Jason Lamy-Chappuis. Souvenez-vous, au mois de février dernier, aux Jeux Olympiques de Vancouver, ce jeune Français d'à peine 20 ans, champion olympique du combiné nordique, il attend le Tour. Geraint Thomas appartient à la belle équipe Sky.
Jérôme Pinault, lui, engrange les points. Il y a 5 difficultés recensées dans cette étape. La nature est belle. Barrage de Vouglans, vu précédemment. Toujours Jérôme Pinault. Et voici Anthony Charteau qui apparaît aux premières loges du peloton, avec, juste derrière lui, le maillot de champion de France de Thomas Voeckler. Sylvain Chavanel aime ce type d'étape, aime ce type de parcours. Jérôme Pinault engrange. Il était accompagné de Danilo Rondo, l'italien. En queue de peloton, Fabian Cancellara donne des signes de lassitude, alors que à l'avant, Sylvain Chavanel accélère. Jérôme Pinault, son ami de toujours, c'est que l'accélération de Chavanel est la bonne. Les deux hommes se retrouvent ensemble. Jérôme Pinault, échappé depuis pratiquement le départ, cède et laisse s'envoler Sylvain Chavanel. Dans cette étape de moyenne montagne, Sylvain Chavanel, l'homme du centre de la France, peut-être l'un des trois coureurs préférés des Français, accomplit de nouveau une étape extraordinaire. Valls, le jeune Espagnol de l'équipe Fotun, ne réussira jamais à revenir sur lui. Et nous voici dans le Jura, au kilomètre, la station des Rousses. Sylvain se retourne, mais il sait à ce moment-là que plus rien ne peut lui arriver. Il a gagné pour la deuxième fois sur ce tour. Il est content, Jérôme Pinault, content pour son pote, Sylvain Chavanel, et content de garder ce maillot blanc à pois rouge. Entre les deux hommes, l'accolade est franche et sincère. Radieux, heureux, Chavanel redevient maillot jaune. Et nous voici partis vers les Alpes. Station des Rousses, Morzine, Avoria. Au lieu du ski, au lieu du Tour de France. Un parcours difficile avec notamment le célèbre col de la Ramaze. Et des chutes. Parmi les victimes, Jérôme Pinault, soigné immédiatement par le docteur Porte. On sait que l'arrivée de cette étape sera jugée au sommet d'Avoriaz, après une montée de 13 600 km à 6,1%, et tout le monde redoute cette première grande étape de montagne. La montagne, cela veut dire changement de rite, changement de conditions, changement de matériel, changement de développement.
Lance Armstrong, journée galère. Une chute avant le col de la Ramaz qui aura de lourdes conséquences sur la suite de son Tour de France. En 2010, Lance Armstrong chute. Auparavant, cela ne lui arrivait pas. Sylvain Chavanel, fatigué, décroché, irrémédiablement. Cadel Evans, lui non plus n'est pas bien. Il est tombé, vous voyez la marque au niveau de son coude. Morzine. Avoriaz. 13 km 400 de montée à plus de 6%. On s'attend à une offensive. Lance est déçu. Très déçu. Cadel Evans est dans la roue d'Andy Schleck, lui-même dans la roue d'Alberto Contador. L'explication est proche, nous sommes au kilomètre. Qui va jaillir ? C'est Andy Schleck, avec son maillot blanc de meilleur jeune. Alberto Contador ne réussit pas à prendre la roue. L'écart n'est pas important, mais psychologiquement, Andy Schleck, à la lutte ici avec Samuel Sanchez, marque des points. Finalement, il gagne l'étape Andy Schleck. C'est sa première victoire dans une grande étape de montagne sur le Tour de France. Contador n'est pas loin, à 10 secondes, mais ça compte. Sylvain Chavanel termine avec Barredo, son équipier. Andy, triomphant. 25 ans, un talent fou. Et c'est Cadel Evans, champion du monde en titre, qui porte le maillot jaune à Morzine Avoria. Le classement de l'étape, 10 secondes entre Contador et Schleck. Au classement général, entre les deux hommes, il y a 41 secondes. Morzine Avoria, Saint-Jean-de-Maurienne, une grande étape de montagne. Par le col de la Colombière, le col des Aravis, le col des Saisies, et pour terminer le col de la Madeleine. La France est belle, grâce au Tour de France, le monde la découvre. Une échappée au début de cette étape permet à Toruchov, le maillot vert, d'engranger des points dans un sprint intermédiaire. Il a raison, Tour le Norvégien, il faut en profiter en début d'étape, car ensuite, le relief sera trop accidenté. Une échappée au sein de laquelle figure le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur de Jérôme Pinault. Dans le peloton, Cadel Evans est discret. Jérôme Pinault consolide son maillot de meilleur grimpeur. Damiano Cunego, l'Italien de la Lampre, se montre. Bienvenue en Savoie. On y est bien, c'est vrai. Maillot ouvert. Les esthètes n'aiment pas ces nouveaux maillots. C'est dur pour Jérôme Pinault. Très dur. À près de 60 km de l'arrivée, il est décroché. Comme Stuart O'Grady, l'Australien, tout comme Gutiérrez, l'Espagnol. Ils n'en peuvent plus. Pour le maillot jaune Cadel Evans, c'est aussi le début d'un long calvaire. Cadel souffre
depuis 2 jours du coude. Et devant, Andy Schleck et Alberto Contador sont partis. Cadel Evans souffre d'un trait de fracture au niveau du coude gauche. Le maillot jaune, il va devoir l'abandonner. Luis León Sánchez, le bel espagnol de la caisse d'épargne, s'accroche avec notamment Sandy Cazar. Ils sont dans l'échappée, mais cette échappée ne compte point, car derrière, les 2 meilleurs coureurs du Tour de France ont décidé de passer à l'offensive. Et ce jour-là, Andy Schleck attendra beaucoup trop. Il avait peut-être, dans cette étape, l'opportunité de décrocher Alberto Contador, qui paraissait moins bien qu'habituellement. 1 kilomètre de l'arrivée. Le groupe de tête, avec Sandy Cazar, aborde ce dernier virage à gauche. Cazar a eu l'intelligence de reconnaître cette étape. Cela va lui rapporter gros. Il emmène le sprint et juste à la sortie, franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. 3e victoire d'étape de sa carrière sur le Tour. Derrière, Cadel Evans a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On le voit ici avec Sant'Ambrogio, son coéquipier. Il est en pleurs, il souffre. Sandy Cazar, vainqueur d'étape, lui, né à Mantes-la-Jolie, licencié à Mantes-la-Ville. Et Andy Schleck devient maillot jaune. Anthony Chartaud, lui, enfile le maillot blanc à pois rouge. À 31 ans, c'est beau. Le classement de l'étape et le nouveau classement général. 41 secondes entre Schleck et Contador. Chambéry, Gap. 179 km. La Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes. Le départ réel et les chutes, malheureusement. Les attaques traditionnelles. Beaucoup de talent chez Pierre Roland, 23 ans. Le château du Riage, à visiter. Souffre de la chaleur. Cherche ombre désespérément. Et Chartaud qui se bat, il se bat pour aller chercher des points. On le voit ici à la lutte avec Jérôme Pinault qui le devance car il est plus rapide. Ce sont 2 anciens copains de l'équipe de Jean-René Bernadeau. Quelques points de plus ou de moins ne changeront pas une amitié. Mario Hart. Et cette descente, pas facile. Du col du Noyer. Pas facile, même presque dangereuse. Maxime Bouet est parti en contre.
Joe Paolinho, le coéquipier de Lance Armstrong, est à l'avant et au sprint, à Gap. Il devance Kiryenka. Paolinho donne à Radio Shack, la nouvelle équipe de Lance Armstrong, sa première victoire d'étape sur ce tour. Et pour le sprint du peloton, Mark Cavendish. Gap, qui a accueilli naguère les championnats du monde sur route, qui est devenue l'une des capitales du VTT. Après une dure journée, il est heureux de sourire. Pierre Roland, quatrième, c'est un jeune prometteur. Le classement général n'a pas changé. Et nous voici dans la 11e étape avec le départ d'un des lieux les plus jolis de France, Sisteron. Et comme le veut la tradition sur ce Tour de France, dès que Christian Prudhomme, le directeur, abaisse le drapeau, eh bien, l'on attaque. Notamment pour engranger des points pour ce fameux maillot blanc à pois rouge, l'un des maillots distinctifs les plus reconnus par les 15 millions de spectateurs qui, sur le bord des routes, suivent le Tour. Échappé Stéphane Auger, c'est l'un des doyens du peloton. Mais c'est José Benitez qui attaque et tente de partir seul. Auger saute dans sa roue et le peloton inexorablement revient. Traditionnel tape amicale entre les compagnons d'échappée qui savent que l'aventure est finie. Et voici Jens Voigt en tête de ce peloton. Avec lui, Chris Anker Sorensen et Fuglsang, trois des équipiers les plus dévoués de Andy Schleck. Les cassures dangereuses dans le peloton. Et ce rythme infernal, le kilomètre. Et ces coups de tête complètement fous de Mark Renshaw à Julian Dean. Cavendish s'en soucie peu. Il gagne une nouvelle fois. Pour Mark Renshaw, son camarade et coéquipier, l'après-podium sera moins drôle. Mark Renshaw sera mis hors course pour comportement illoyal. Petacchi et maillot vert, il était deuxième de l'étape. Cavendish a perdu ce que l'on appelle un poisson pilote. La 12e étape du Tour. Alors celle-là, elle peut frapper les esprits. Elle se termine au sommet d'une côte qui ne porte pas le nom du Mont Gervi de Jean, mais s'appelle tout simplement la côte Laurent Jalabert.
Federigo, Ejdan le Canadien et Charteau qui se bat. Vous avez vu ces signes de tête? Un point, plus un point, plus un point. C'est comme cela que l'on s'approche du maillot à poids. Voici l'échappée avec Alexandre Vinokourov. Il est, bien sûr, le capitaine de route d'Astana. Il est aussi le principal lieutenant d'Alberto Contador. Rémi Poriol de la Cofidis est un des jeunes et bons coureurs français. Toujours Charteau. Andy Schleck. À côté de lui, Alberto Contador. Les deux hommes savent que les trois derniers kilomètres de cette étape peuvent... Ah, how are you? Fine. And you? Il chauffe dans les sprints intermédiaires. C'est une de ses spécialités pour conquérir le maillot vert. Et toujours cette échappée avec Vinokourov, avec Claudel, avec Ejdal, avec Kirienka. Ils étaient 12, mais une échappée à 12 ne va pas loin. Une échappée à 4 ou 5 est beaucoup plus efficace. Quand ça la ramène en tête du peloton, nous sommes à Mende, 2 750 km. La fameuse côte qui porte le nom de Laurent Jalabert, vainqueur ici même en 1995. Dans l'ascension, Alexandre Vinokourov s'en va seul. Il espère gagner son étape. Lui qui a été banni du Tour en 2007. Mais derrière, il y a eu, dans un premier temps, une accélération de Schleck, puis de Gutiérrez. Contador a immédiatement contré, et dans ce contre, eh bien, Contador, en se retournant, aperçoit Andy Schleck à une vingtaine de mètres. Il insiste, et tout près de l'aérodrome de Mende, eh bien, Alberto Contador va être battu pour la victoire d'étape par Rodriguez, le solide coureur espagnol de l'équipe Katusha. Mais Contador va récupérer une dizaine de secondes. C'est toujours ça de prix. Et psychologiquement, ce type d'offensive donne des résultats. Joaquim Rodriguez, 31 ans, troisième des championnats du monde, vainqueur d'étape. Anthony Charteau, meilleur grimpeur. Et Alexandre Vinokourov, battu, déçu, mais combatif du jour. Le classement de l'étape et le classement général. Doucement, Contador se rapproche. Rodez Revel. 196 km. Des côtes, pas vraiment difficiles. Albi, le Tarn, la cathédrale. Et à l'avant, Juan Antonio Flecha, Pierrick Federigo et Sylvain Chavanel. Voici un trio de baroudeurs, des coureurs qui, l'un et l'autre, n'hésitent pas le long de ces routes magnifiques qui longent les gorges du Tarn. Un trio de baroudeurs qui vont bien s'entendre, qui vont bien collaborer, qui vont bien coopérer. Derrière, Thomas Voeckler, le champion de France, fait le boulot d'équipe. Il va prendre des points au sommet des côtes pour éviter que les rivaux de son coéquipier Anthony Charteau ne les recueillent. Pierrick Federigo, Chavanel, Flecha. Flecha dans ce sprint intermédiaire,
Il appartient cette année, Juan Antonio Flecha, à l'équipe britannique Sky. Il a déjà gagné une étape sur le Tour de France. Chavanel aussi, et Fédrigo aussi. Ils savent ce que gagner veut dire. En tête du peloton, des contres. Marcus Burkhardt. Et encore, Alexandre Vinokourov. La veille, il a échoué, de peu. Cette fois, il va gagner. Et c'est beaucoup pour lui, beaucoup pour son pays, beaucoup pour le Kazakhstan. Vino est un guerrier, on le sait. Une fois de plus, si besoin, il le démontre. Après deux années de suspension, il est redevenu un des meilleurs coureurs du monde. Il l'avait déjà montré au mois d'avril en gagnant Liège-Bastogne-Liège. Le bonheur n'est pas dans le pré, il est à l'arrivée. Revel. Tout de suite, les félicitations d'Alberto Contador. Kazakh, résident monégasque, idole dans son pays. Le classement général n'a pas changé. Les Pyrénées se profilent à l'horizon. Revel, axe 3 domaines. Axe 3 domaines, la station qui domine axe les thermes. Christophe Riblon, le français, emmène. La journée est dure pour Lance Armstrong, comme pour Cadel Evans. Il est difficile, ce port de Payerre. Au sommet, Christophe Riblon, 30 ans, né en Picardie. Deux fois vice-champion du monde sur piste. La dernière fois, c'était au mois de mars dernier, à Copenhague. Sommet de Payerre, il faut plonger, descendre, prendre des risques. Car ensuite, il y aura cette montée qui part de Axe-les-Thermes et se termine dans la station de Axe-Trois-Domaines. Christophe Riblon peut rêver. Contador, lui, est serein. Il est serein, il accélère, mais quand il se retourne, il voit le mètre 88 de Andy Schleck qui ne le quitte pas. Cela s'appelle une pression exercée sur le leader. Denis Menchoff se bat pour les places d'honneur. Riblon, lui, passe
au sommet. À Axe les Trois Domaines, il sait qu'il a gagné. Il sait que lui, coureur modeste, sympathique, eh bien il sait que lui, ce jour-là, ce sera son jour de gloire. Derrière, Denis Menchoff se bat avec Samuel Sanchez pour une place une semaine plus tard sur le podium à Paris. Les hommes forts arrivent ensemble. Schleck Contador. Bonheur immense, bonheur pour toujours. Christophe Riblon, Menchoff est deuxième, Sanchez qui ne le quitte pas dans le même temps. Au classement général, regardez, l'un est troisième, l'autre quatrième. Quinzième étape. Pamiers, ville de rugby, bannière de Luchon. Il y aura le porté d'Aspet, il y aura le port de Balès, à escalader. Et il y aura cette nature magnifique. Groupe de tête traditionnel, avec Van Borg, avec Van Severen, avec Ivanov, avec Lloyd Mondery, avec Alessandro Balan aussi. Le porté d'Aspet, deuxième catégorie. Et ces panneaux qui, traditionnellement, indiquent la distance qui sépare le pied du col de son sommet, tout simplement. Dans l'échappée, vous l'avez vu, avec le maillot bleu, c'était Sébastien Turgot. Une chute implique notamment Maillot, le voici avec le maillot de la Fotoun, et juste derrière, Anthony Gélin de la FDJ. Dans un premier temps, le tour sera inquiet, mais heureusement, les trois coureurs au bord du chaos réussiront à repartir. Et devant, voici ce maillot de champion de France si bien porté par Thomas Voeckler. Roche n'a pas de chance. Il est victime d'une crevaison au bien mauvais moment. En tête du peloton, toujours Fuglsang et Chris Anker Sørensen. Et devant, eh bien Voeckler. Thomas Voeckler, sacré champion de France, le dernier week-end de juin. Coureur préféré des Français. Ici, dans le port de Balès. Derrière, pendant que Thomas se bat pour aller gagner son étape, eh bien Andy Schleck attaque. Mais problème de dérailleur, saut de chaîne. Andy Schleck obligé de poser pied à terre. Il repart, aidé par des spectateurs, mais devant la course continue. Pendant que Thomas Voeckler s'envole vers la victoire d'étape, derrière, Andy Schleck lutte pour concéder le moins de temps possible. Le sommet du port de Balès, l'arrivée est en bas, à Bagnères de Luchon. 95, 98 km heure au compteur des motos. Il est bien porté ce maillot tricolore. Position très profilée de Thomas Voeckler. Et Bagnères de Luchon l'attend. Triomphant. Son Tour de France avait été difficile. Au bout de 15 jours, il est redevenu Thomas Voeckler. Ramayad applaudit. Et derrière, Lloyd Mondery sprint pour une place. Andy Schleck, pour perdre le moins de temps possible, il a le visage fermé. Ce n'est pas une bonne journée. À l'arrivée, il n'est pas satisfait, mais n'oublions jamais que c'est lui qui a voulu changer de dérailleur la veille de la course. Le rouge de la passion de Bagnères de Luchon à Thomas Voeckler.
quelques spectateurs sifflent, on se demande vraiment pourquoi. L'incident mécanique fait partie de la course. L'arrivée, Veuclair, et une 20 derrière, Balane au classement général. 8 secondes entre Contador et Andy Schleck. Et ce n'est pas fini. 16e étape de ce tour. Nous sommes toujours dans les Pyrénées. Et il y a toujours d'énormes difficultés au programme. Les princes des Pyrénées, Aubisque, Tourmalet, avant d'arriver à Pau. C'est vrai, il y a 60 km entre le sommet de l'Aubisque et Pau, mais enfin, l'étape est dure. Caravanes font partie de la tradition Tour de France. La tradition, ce n'est pas obligatoirement de voir Lance Armstrong attaquer. Eh bien, ce jour-là, il va le faire, accompagné d'un de ses équipiers les plus fidèles, Christopher Horner. Une échappée qui se dessine, dans laquelle il y a aussi notamment le maillot blanc à pois rouge du Français Anthony Chartaud. Col d'Aspin, effacé. Chris Horner au premier rang. Derrière, galère, suite et pas encore fin pour Cadel Evans. Lance, maillot ouvert, très à l'aise. Au sommet, Anthony Chartaud prend des points et dans la descente, accélération de Sandy Cazard. Recherche maximale de vitesse. Un contre se développe. À l'origine, Pierrick Fédrigo, qui a le sens de la course, tout comme Lance Armstrong. Lance Armstrong revient sur Sandy Cazard. Peuvent-ils aller au bout? Non, pas encore. Groupe de tête, reconstitué. Chartaud en difficulté. Anthony Chartaud fatigué. Le plafond nuageux est bas. Au sommet du Tourmalet, escaladé pour la première fois, cette année, à 2115 mètres d'altitude, eh bien c'est Christophe Moreau qui est passé en tête. Un symbole à 39 ans et pour son dernier Tour de France. Lance Armstrong réaccélère et provoque l'explosion de ce groupe. Christophe Moreau, vaillant comme jamais, veut des points, encore des points, toujours des points. Il passe en tête au sommet de l'Aubisque et tout près de l'arrivée, l'un des échappés, Carlos Barredo, de la formation Quick-Step, tente de s'échapper. L'Espagnol comptera 42 secondes d'avance. Ce sera son avance maximale. Derrière, dans ce groupe, il y a Fédrigo. Il y a Armstrong. Et l'arrivée est jugée au cœur de Pau. Armstrong peut-il sauver son tour en gagnant une étape? La réponse est non. Il est au cœur de ce groupe et en vitesse pure, devancé par Pierrick Fédrigo. Magnifique. Les Français gagnent sur ce tour. Barredo est déçu. Le sprint du peloton, gagné comme souvent par Tourouchoff, qui grappille des points. Pierrick Fédrigo
Troisième victoire d'étape dans le Tour. Barredo est récompensé par ce prix du combatif. Il espérait mieux. Deux Français aux deux premières places. Et au classement général, toujours 8 secondes. Pau, col du Tourmalet. Voici la grande étape, celle qui doit faire exploser le peloton, celle qui devrait, logiquement, départager les favoris. Le temps n'est pas formidable. Il a beaucoup plu le matin, au moment du départ à Pau. Une échappée se dessine, avec notamment le jeune Bossen Hagen, l'un des grands espoirs du cyclisme mondial. Ici avec le Dossard 34. La chute douloureuse de Samuel Sanchez dans les 5 premiers au classement général. Et Alberto Contador, averti de cette chute, fait ralentir la tête du peloton pour permettre à Samuel Sanchez, blessé à l'épaule, de revenir. Un geste qui honore Alberto Contador. En contre est parti le vainqueur du Tour 2008, Carlos Sastre. Que voulait-il prouver ce jour-là? Personne ne le sait vraiment. La course est difficile, la chaussée mouillée, glissante. Carlos Sastre savoura vaincu après être resté pendant plus de 70 km intercalé entre le groupe de tête et le peloton des favoris. Des invités inattendus. Un troupeau de moutons sur la route du Tour. On connaissait les chiens, on connaissait les chevaux. Voici les moutons. Le sommet du col de Soulors. Carlos Sastre rattrapé par ce peloton. Après un effort inutile. Le pied du col du Tourmalet. Énormément de monde, comme tous les jours, sur les bords de la route du Tour. Alexandre Vinokourov, qui a beaucoup travaillé depuis le début de ce Tour, décroche rapidement. Anthony Chartaud se bat lui aussi. Il n'est pas capable de rester au niveau des meilleurs. Parmi les meilleurs, il y a lui, Kolobnev, le russe de l'équipe Katusha, souvent placé, jamais gagnant. Pierre Roland, de l'équipe B-Box, qui appartenait à l'échappée, est rejoint. Et l'on se retrouve en tête du peloton avec les deux caïds, alors que derrière, on l'a vu, Samuel Sanchez s'accroche. Schleck en blanc, Contador en jaune. Le Tourmalet et les 10 derniers kilomètres d'ascension peuvent-ils rendre un verdict? Pas en courant de cette manière. Schleck impose, dans le brouillard, un rythme soutenu. Contador le suit. Il le suit tellement qu'il essaie de contrer à un moment, probablement pour calmer le jeune luxembourgeois. C'est une manière de lui signifier, de baisser d'un ton, de baisser d'un cran. Tout est psychologique à ce moment-là entre les deux hommes. Les kilomètres se suivent, les kilomètres se ressemblent. Schleck l'ambitieux. Contador l'installer. Le dernier kilomètre. Dans cette folie du Tour de France, cette magie du Tour de France. Il fait froid. En dessous de 10 degrés. Le brouillard est épais. Et les deux hommes arrivent au sommet ensemble. Contador, seigneur, ne sprinte pas. Car c'est Schleck qui a mené le train pendant toute l'ascension.
Nous sommes à 2115 mètres. Et tout reste à faire. Andy. Alberto. Et le vainqueur définitif du classement du meilleur grimpeur, le français Anthony Charteau. Le plus combatif, Colob 9. Classement d'étape. Classement général. Tout reste à faire. Salis de Béarn, Bordeaux. Les sprinteurs ont le sourire, a priori. À travers les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde, ils devraient revenir au premier plan. Il fait beau, c'est l'été. Mais attention, dans cette étape traditionnelle qui traverse les forêts en partie dévastées des Landes, il y a le vent. Regardez les dégâts causés par la tempête. C'est terrible. Lance Armstrong est souriant. Il tourne le dos à la montagne. Et Yasuko, le japonais, il est content lui aussi. Torouchov sait que les deux étapes qui restent, avec de probables sprints à Bordeaux et sur les Champs-Élysées, détermineront le vainqueur du classement par points. Marco Cavendish rêve lui aussi du maillot vert. Regardez la position de ce peloton. Elle montre qu'il y a du vent. C'est du vent de côté, du vent qui vient de la gauche, qui vient de l'océan. ...20 km de l'arrivée. Bordeaux, où le Tour de France va faire étape pour la 80e fois. Après Paris, Bordeaux est la ville la plus visitée dans l'histoire du Tour de France. Daniel Osso, de la Ligas. Il croit, mais pas jusqu'au bout. Ce n'est pas possible. Près des quinconces à Bordeaux, les sprinteurs sont rois. Et dans ce domaine, Marc Cavendish est intouchable, une aisance incroyable. Un regard, puis un deuxième regard, une facilité déconcertante. C'est le 4e succès de Cavendish. Bordeaux, qui est avec Strasbourg la ville de France, où l'on respecte le plus les cyclistes, Bordeaux célèbre les hommes qui vont vite. Cavendish, Dean, Petaki, McEwen, Fréré, Bossenhagen. Le classement général n'a pas changé. Mais voici le grand rendez-vous. Voici le contre-la-montre. 52 km entre Bordeaux et Pauillac. Un parcours superbe pour les hommes forts. Tony Martin, deuxième de l'étape. Fabian Cancellara, impérial comme d'habitude, il porte le maillot de champion du monde du contre-la-montre. Et il va gagner ce contre-la-montre à la moyenne horaire de 51 km/h 204. Pour Lance Armstrong, c'est le dernier contre-la-montre de sa carrière. Il sera loin, très loin. Le grand duel pour la troisième place. Denis Menchoff, le russe. Samuel Sanchez, le leader de l'équipe Scatel-Scadi. A priori, Denis Menchoff est le plus fort. Et voici le dernier duel, celui du sommet, celui de l'absolu, celui de la victoire. Normalement, Andy Schleck, maillot blanc, est moins fort contre la montre que Alberto Contador.
mais sur les 52 kilomètres tracés à travers le vignoble bordelais, le long de tous les châteaux où reposent les grands crus, eh bien Andy Schleck va réussir un contre-la-montre d'exception. Il va inquiéter Contador, il possédera même, après 15 kilomètres de course, une seconde d'avance. Mais ensuite, inexorablement, Contador va reprendre le pouvoir face à un Andy Schleck superbe. Il faut noter que les deux hommes sont partis aux environs de 16 heures, alors que tous les premiers de l'étape, notamment Cancellara, sont partis, eux, aux environs de midi, moment où il y avait beaucoup moins de vent défavorable. Le kilomètre, on sait à ce moment-là que Andy Schleck ne gagnera pas le Tour de France. Contador, lui, sait qu'il va consolider son maillot jaune, mais dans des proportions nettement inférieures à ce qui était prévu. Contador est soulagé. Il le reconnaîtra dans les heures suivantes. Ce fut dur, très dur, terrible même. Andy Schleck n'a rien à regretter. Cancellara reste le maître du contre-la-montre. Contador, le maître des grands tours. El Pistolero. Andy Schleck est grand par la taille et le talent. Le classement de l'étape, 17 secondes seulement de retard pour Tony Martin. Au classement général, une modification importante. Menchoff est maintenant 3e, Samuel Sanchez 4e. Longjumeau, Paris. C'est le dernier jour, c'est presque le soulagement. 102 kilomètres à travers une partie de la région parisienne avant le traditionnel circuit sur les Champs-Élysées. Le ciel est gris, mais pas menaçant. Charteau est heureux, maillot distinctif du Tour, lui l'anonyme. Andy Schleck, dubitatif, il rêve de l'année prochaine. Quant à Lance Armstrong et à ses camarades de l'équipe Radio Check, ils ont porté au début de l'étape un maillot noir à l'effigie de Liv Strong, la fondation de Lance, avec un seul numéro, 28. 28 millions de personnes atteintes par le cancer. En tête du peloton, alors que les coéquipiers d'Armstrong ont dû remettre leur traditionnel maillot avant le départ véritable, voici quelques-unes des plaisanteries du dernier jour. Les attaques, par exemple, de Schleck et de Contador. Les conversations de Benoît Vaugrenard, de Chavanel. Le sourire de Thomas Voeckler. Christophe Moreau, 39 ans, 15e tour, il arrête. Dimitri Champion, serein. Charteau, détendu. Souriant, heureux. Paris, oh Paris, c'est magnifique. Voici les Champs-Élysées et les dernières attaques sur ces Champs-Élysées avec Maxime Bouet, avec Barredo ou Sandy Cazard. Quelques baroudeurs qui imaginent qu'à Paris, devant 1,5 million de spectateurs, il est possible de piéger les sprinteurs. Mais non, la cloche retentit, et quand la cloche retentit, tous les coéquipiers des routiers sprinteurs sont en position. Regardez ce peloton, il remonte les champs à 60 km/h, descend à 67-68 km/h, et voici le kilomètre. L'emballage final, l'arrivée sur la place de la Concorde. Dans un instant, les Champs-Élysées rendront leur verdict. Torushov et son maillot de champion de Norvège rêvent de maillot vert, mais Cavendish est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique.
5e victoire d'étape pour le Britannique. 3e victoire dans le Tour pour Alberto Contador. Et Paris reste la plus belle ville du monde. Il va vite. Très vite, trop vite pour les autres. Pétakil expérimenté, inattendu maillot vert. Charteau, le bon français, inattendu meilleur grimpeur. Andy Schleck, le prometteur. Chavanel, le souriant, combatif du Tour. Et voici Alberto, il bondit, tel une gazelle. Il est en jaune. L'Espagne gagne. Nadal gagne. Les footballeurs espagnols gagnent. Alberto Contador gagne. L'Espagne domine le sport mondial actuellement. Schleck, 2e. Menchoff, 3e. L'émotion, la grande émotion. Pour Lance Armstrong, dernier jour de Tour. Dernier jour de véritable carrière. Et ce maillot noir, destiné aux 28 millions de personnes atteintes du cancer. Les maillots distinctifs, le beau, le plus beau, le vert, le blanc à pois rouge, du meilleur grimpeur, et le blanc du meilleur jeune. Paris salue le Tour. Les Champs-Élysées couronnent les champions.